L'Ophage a été créé dans les suites du traité de l'Élysée le 5 juillet 1963 et il nous importe de fêter dignement le 5 juillet 2013 son 50e anniversaire. Et pour cela, un an avant, nous avons réuni tous nos partenaires qui, sur le terrain, nous aident à démultiplier nos actions, organisent sur le terrain ce qui est la mission première de l'Ophage, c'est-à-dire des échanges de jeunes franco-allemands et trinationaux. L'ensemble est placé sous un triptyque qui est composé de trois principes, se souvenir, célébrer et surtout construire l'avenir, puisqu'on compte beaucoup sur cet anniversaire pour prendre un tournant et marquer les esprits. Je suis professeure d'allemand dans un lycée classique général, un lycée technologique et un lycée professionnel. J'ai des élèves très motivés qui ont envie de participer aux échanges franco-allemands, mais qui ont donc des profils très différents. Et j'ai du mal à répondre à toutes leurs attentes et je viens chercher de nouvelles idées, rencontrer des personnes qui peuvent m'aider à trouver des projets, qui peuvent me soutenir aussi pour ces projets. Das Geniale an unserem Netzwerktreffen ist zum einen, dass man Sachen sehr gut organisieren kann und Ansprechpartner und Mitarbeiter findet für die eigenen Projekte, die man vorhat oder sich vielleicht selber sinnvoll beteiligen kann an wirklich innovativen Projekten anderer. Aber ich glaube, das Wichtigste an so einem Netzwerktreffen ist, dass man Gleichgesinnte trifft, Menschen mit der gleichen Überzeugung, Menschen mit den gleichen Idealen. Und diesen Menschen zu begegnen, fördert unglaublich die Motivation. Ich denke, es ist wichtig, zum einen das Jubiläum zu feiern, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es 50 Jahre her ist, dass die Élysée-Verträge unterschrieben sind. Und ich denke auch, man sollte mitmachen, um einfach die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, dass es eine deutsch-französische Freundschaft gibt. Le point important de ma journée, c'était surtout donc les différents ateliers qu'on a eu, donc qui nous ont été proposés, notamment sur les actions de l'Ophage pour les 50 ans, 50 projets. Ou le plan d'action, je dirais. Également aussi sur la communication et les réseaux sociaux. Donc on a eu encore l'opportunité d'avoir vraiment un aperçu, une vue d'ensemble globale de tous les réseaux sociaux de l'Ophage, comment s'en servir, comment les utiliser, comment ça peut nous aider dans nos projets. Et puis aussi donc pouvoir parler de la journée d'action qui est différente donc des 50 ans, 50 projets. Donc il y aura une journée d'action en 2013 où il y aura des événements en France et en Allemagne en même temps la même journée. Donc là, c'était bien de pouvoir parler justement avec d'autres participants, des idées qu'ils avaient, de ce qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est un échange très, très, très intéressant. Depuis 50 ans, l'Ophage a fédéré 8 millions de participants. Donc le but, c'est d'en fédérer encore et encore. Et ce qui a été très important aussi, c'est de travailler ensemble en région au niveau local. Donc voilà, créer des synergies par région au niveau des localités. J'ai plein d'idées en tête, plein de projets. Alors, ils ne sont peut-être pas tous réalisables. Certains sont peut-être un peu plus fous que d'autres. Mais voilà, vraiment, je repars de là avec beaucoup d'enthousiasme. Et maintenant, voilà, il va falloir se mettre à l'action. Ich nehme nach Hause viel Erfahrung, Ideen für das nächste Jahr, für das Jugendtreffen, wie man es gestalten kann. Und ich denke, dass es hier sehr interessant wird, war, ist. Ich denke, die Stimmung auf dieser Tagung war ausgezeichnet. Wir haben aber zugleich intensiv gearbeitet und neue Ideen entwickelt, neue Bekanntschaften geschlossen. Und ich wünsche mir, dass der Schwung dieser Veranstaltung jetzt uns weiterträgt in das deutsch-französische Jahr hinein und uns allen am Ende des Jahres einen großen Erfolg beschert.